Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous faire part un peu de mon expérience pour améliorer votre productivité sur ordinateur. Donc moi j'ai un PC. J'utilise Brave en tant que navigateur web. Je pense que c'est Brave est le meilleur navigateur web. J'ai longtemps utilisé Firefox, mais je pense que Brave est mieux, notamment parce qu'il protège la vie privée. Il protège mieux la vie privée. Il intègre Tor par défaut. Tor qui permet de surfer anonymement. Il y a aussi une fonction que j'aime bien dans, enfin que je pense utile dans Brave, qui permet de traduire, voyez, traduire en français les pages. Donc je ne crois pas que ça existait dans Firefox par défaut, mais là on peut traduire des pages, donc ça peut être intéressant. Je voulais aussi vous signaler que je pense le meilleur utilitaire pour améliorer les performances du PC, pour le nettoyer régulièrement, c'est Glary Utilities. Donc ils en sont à la cinquième mouture. Je pense que c'est le meilleur utilitaire pour. Bah, il faut quand même décrasser son PC, si j'ose dire, hein, régulièrement pour maintenir ses performances. Donc si votre PC est lent, utilisez Glary pour le booster, si j'ose dire. Pour lire les vidéos et aussi les fichiers audio, moi j'utilise VLC Media Player. La fonction que j'aime bien dans VLC, c'est que on peut modifier la vitesse de lecture des bah, que ce soit une vidéo ou un fichier audio. Et moi je pense que tous les interlocuteurs peuvent être passés à une vitesse de 1,5. Alors certains peuvent être augmentés aussi à 2, hein, pour les plus lents, pour ceux qui parlent le plus lentement. Ça vous permet de gagner un temps conséquent, hein, si vous écoutez beaucoup de conférences, etc. Voilà, et le logiciel est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d'information. Donc là, la liste est consultable. Donc là, je suis sur Wikipédia. Hein, je pense qu'il donne de bons conseils. Je vous invite à je vous mettrai le lien. Alors moi, j'utilise pour gérer mes messages, à la fois personnels et professionnels, j'utilise Mozilla Thunderbird. Je pense que, enfin, bon, j'ai pas essayé tous les clients de messagerie, mais Mozilla Thunderbird me permet de gérer avec une redoutable efficacité mes mails, donc notamment professionnels. Je pense que sans cet outil, si je me contentais du webmail de ma société, je perdrais un temps fou en fait. Et Mozilla me permet de gérer mes mails vraiment avec efficacité, beaucoup d'efficacité. Ça n'a rien à voir avec la messagerie qu'on me propose par défaut là où je travaille en fait. Voilà. Bah, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.